Piop, les loulous, c'est tonton Tommy qu'on est sur God of War et on continue notre ascension dans la montagne. Alors comme d'hab, il va falloir que je me replonge dedans, j'ai laissé quelques jours passés, malheureusement j'ai pas eu le choix. Des obligations. Alors voyons voir un peu tout ça. Truc à geler, quelque chose. Bon, je vérifie quand même, mais non, il n'y a pas le frozen autour du réticule. Alors ici, il y a une chaîne à faire descendre. Voilà, ça, j'ai toujours pas le pouvoir pour péter ces trucs-là. On peut pas grimper là-dessus. Qu'est-ce que t'as vu, fiston? Il n'y a pas de point là. Non, il n'y a rien. Okidoki. On explore. C'est ça qui est bon dans ce God of War, c'est quoi? Il faut explorer la preuve. $1,348 de thunes, bah oui. Bien sûr qu'il faut explorer. Pour l'instant, il n'y a personne. Non, ça nous mène nulle part. Eh ben, tu te calmes, je suis sur le coup. J'en suis où de mon énergie? Ah bah oui. Oui. Bon, là, on a un truc sur lequel on peut monter. Par contre, je sais plus ce que c'est, ça, les miroirs. Ah oui. Elle est bien verrouillée. Ça, c'est pareil, je sais pas comment encore ouvrir ces endroits. Je sais pas ce qu'il y aura de planqué derrière, peut-être des trucs pour nous booster encore. Cette machinerie ressemble beaucoup à celle des nains, mais la taille des pierres, c'est clairement du Jotun. En fait, je crois que les géants ont vécu ici après avoir creusé la montagne. Ça a un puis tiens, ce gosse. Laisse tomber. En ce temps-là, papa, il détruit tout. Foum, mais ça me donne pas grand-chose encore. Hein. Tout que ça, ben, c'est des branches, on peut pas les péter. En même temps, je vois pas l'intérêt. Bon. En tout cas, il y a un système. Oh. Allez, je m'oubliais, zou. On s'en fout. Et un truc à péter. Et une. Ouais. 304. Ok, bon. Je peux pas le faire bouger, ça. Ah, oh, putain. Non, rien du tout. Ah. Par contre, attends, il y a des runes, là. Enfin, de l'écriture pour le fiston. Qu'est-ce que ça dit? Oui, père. C'est drôle. Pourquoi? Quelqu'un a écrit « Réservé au Jotnar ». Et un autre ami « Et au nain ». On ajoute quelque chose? Non. Tu voulais faire un tag. Bon. Tiens. Bon, je l'ai raté. Incroyable. Je peux pas faire grimper le fiston, là, ici? Non. Ah, merde alors. Il y a où de ma jauge d'orage? Tiens, j'en suis où aussi? Ah non. Par contre, ici, il y a un truc que j'avais pas vu. Atreus, ici. Oui, père. Donc c'est un peu trop beaucoup calme. À mon avis, ça va pas durer. Vu le rythme qu'ils nous ont imposé depuis le deb. Ça vibre. C'est la porte qui retombe. Tiens. Il y a un coffre en bas en plus. Et il y a peut-être du bestiaux aussi. Alors, attention. Sur nos gardes. Non. C'est là. C'est ouf quand même. Ça va lui tomber dessus comme le port salut. Oh, arrête. C'est non, ça. C'était juste. Ferme ta gueule. D'accord. Mais qu'il est con.
encore une autre chaîne. Pour descendre où? Pour faire quoi? Attends. Parce qu'il y avait un autre petit coin là, on va jeter un œil. Bon, c'est juste pour voir ce qu'il y avait en dessous. Like. Bon, par contre, on est censé monter, pas descendre. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hop. Il y a un truc à péter juste au-dessus de ma tête là. Tac. Et allez, 700 boules. Ça, c'est pour monter. Ah, mais attends, on en vient là, non? C'est pas le même endroit. Furieux doute, on y va quand même. Ça doit pas être le même endroit, non? Je regrette presque de pas être allé en bas pour voir. Même si c'est pour revenir juste en arrière. J'ai l'impression. Ah ouais. Ouais, totalement. Pas grave. Allez par là. Bon, là encore un truc que je peux pas passer, putain. Ça me bouffe. Oh tiens, une porte. Et une fois à cristal. De toute façon, on n'a pas l'intention de retourner en arrière pour le moment. Un peu de lumière. Et une porte. Très bien. Et toujours personne à l'horizon. Pas de baston. Incroyable. Qu'est-ce qu'on a un peu tout autour de nous? Ah, tu peux lire ça? Non, t'as déjà lu? Putain, attends, je suis pas revenu en arrière quand même. Je commence à me poser des questions. Mais si, carrément. Je suis très con, moi. Et ouais, j'avais fait tout ça. Oh. Merde, oui. Bon, bon, autant pour moi. Ok, allez. Non, j'aurais pu grimper avec la chaîne, je crois que c'est un peu plus rapide. Voilà ce que c'est de laisser plusieurs jours. Alzheimer. Bon, allez, c'est pas grave. On va se taper un coup de speed. Tu m'étonnes qu'il n'y ait pas de bestiaux. Je suis trop con. Et donc c'est bien là qu'il faut continuer à chercher. Dégoûté. Qu'est-ce que je peux foutre alors? Des trucs sur lesquels je peux tirer peut-être? Parce que là, cette putain de chaîne, je peux rien faire. Là, il y avait une porte, mais je peux pas la soulever. Là, ça devient trop gros pour moi. Bon, j'en aurais pas cru, hein. Je suis tellement violent. Et là, d'accord, je peux pas la péter. Je peux rien faire du tout. Aïe, 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 aïe. Je vois pas que ça aurait l'intérêt de taper là-dessus. Ça fait juste un peu de lumière. Et encore. Bordel de bordel. Bon, en tout cas, on sait que c'est ici et qu'on n'a pas le choix. Qu'est-ce que... Attends, attends, attends. Non, je peux pas. Non. Décidément, rien faire. Vraiment, je peux pas actionner ce truc-là. Bizarre, autant qu'étrange.
Ok. Je vais pas m'exciter. Le fiston, il peut pas balancer de la flèche là-dedans, vu que c'est bleu, non? Non. Bon. Alors, ici, c'est sûr, il n'y a rien. Là-dessus, c'est cool, on a eu l'inscription, mais ça va pas servir à grand-chose non plus. Là, on a une porte secrète, mais elle est verrouillée pour le moment. Wow. On peut descendre là-dedans, non? Parce que ici, moi, je sais pas, fiston, je peux pas l'envoyer là-haut, alors. Ça fait chier. Ça, on peut pas péter tout ça, là. Faut pas que je balance, hein. J'arrive à péter les caisses quand même d'ici. Ouais. C'est la classe. Mais ça sert pas à grand chose. Merde. Eh ben alors, elle est pas mal celle-là. Et d'ici, là, je peux pas envoyer le fiston. Je l'envoie. Avec la force que j'ai, franchement, je pourrais carrément le propulser là-haut. Hein. Il va considérer que c'est trop risqué, je sais pas. En plus derrière pouf. Ben, je suis bien emmerdé les gars. Attends, il y a un truc bleu là, est-ce que... C'est pour ça qu'il faudra allumer de partout, j'en sais rien. Parce que là, il y a bien d'un éboulis, mais on peut pas y aller non plus. Waouh. Merdouille. Et toi, tu peux pas m'aider un petit peu, fiston? Toi qui as la tête pensante. Hein. T'as un peu le cerveau, je suis un peu les muscles, non? Autour de ce truc-là, y a rien non plus. Pourquoi nous faire grimper au-dessus si c'est pas pour actionner ce machin? On sent de bonsoir. Pourrait tirer d'ici, dis donc. Attends. D'ici. D'accord. Bien, Atreus. Bon, mais c'est juste pour un coffre. Ça va pas faire avancer le cheminique. Enfin, juste au niveau de mes stats, quoi. Juste toi, fiston, un peu, c'est dangereux quand t'es devant moi avec ma hache. Alors, qu'est-ce que c'est? L'acier massif. Ah. Ça peut être intéressant, ça. Mais voilà, c'est ce que je disais. Pas avancer le truc pour autant. Quelle merde. Oh, c'était juste là. Eh ben, merci. Je crois que je sais comment ça marche. La pince est sur le côté. Et si on arrive à faire bouger ça... S'il vous plaît. Oh, bordel. La corde est coincée sous ce rocher. C'était très imprudent. Oui, père. Désolé, père. Bah, je te pardonne comme toujours. Libérez la chaîne. T'es coincé. S'il vous plaît. On arrivera peut-être à monter par là. Après, tu sais, c'est te débarrasser de ces choses. Oh putain! D'accord. Aide-moi, un projectile!
Ah, mais il m'explose à la gueule, faut que je fasse gaffe. Allez. Ça, le petit con là-bas. Ah, attends, déjà on va se recharger. Vous plaît. Putain. Attends, on va y aller. Un derrière moi, non? Non? Tu ah bah voilà. C'est fait. C'est vrai que je lui envoie pas... Enfin, je l'envoie pas tirer à cette flèche au gamin. Il faudrait pourtant... Il faut dégager la corde du désordre que tu as provoqué là-haut, Atreus. Ouais. Peut-être qu'on peut monter là-haut par le passage qui s'est ouvert. Bah, pétille bien. On va voir ça. C'est quoi cette bestiole volante là-bas? Ami, ennemi, neutre. Oh! Il y a un forgeron ici. Peut être intéressant. Mais jusqu'où ça va? C'est une montagne. C'est grand. Bon, on va déjà aller voir un peu si on peut pas améliorer quelques petits trucs. Tu savais contourner le souffle noir depuis le début. Eh, va pas croire que j'aurais pu te faire passer, gros tas de viande. Je peux contourner à peu près n'importe quoi, surtout ici. À une époque, ma famille possédait cet endroit. On a revu les pièges des Jotnar et construit de quoi les éviter. Pourquoi tu crois qu'ils sont si tordus? Oh, ça me fait penser... Attention au piège. Au piège, ah, ça, ça me parle. Alors, voyons voir. Amélioration d'armes des plans. De l'arc serre. Alors attends. Pomme de hache. Bah, il est où ton arc? Bon, écoute, on va voir la pommeau de hache déjà. Oh! Je peux l'augmenter. Ah, chance plus 10. C'est vrai qu'en chance, j'étais à 0 pointé. Et je gagne 2 en force. Intéressant. Et ça? Force 6, donc ça bouge pas. Vitalité 8. Eh, vitalité, c'est pas moche. Et enfin, vitalité 10 et force 4. Ouais. Ça, c'était quoi? 4, 4, 6. Ouais. 4, 6, 6. Je serais presque tenté par ça, parce que je gagne 2 en force, un petit peu, quoi. C'est surtout la chance. Ah, par contre, en défense, je perds 6. Ah, je suis partagé, hein. Parce que là, c'est un peu mi-fig, mi-raisin, il y a un peu de tout. Je perds que 6 en défense, mais c'est surtout en vitalité que je gagne. Parce que c'est vrai qu'en vitalité, je suis pas... Bon, allez, on va se faire ça. Paf. Équipé. Forte chance d'obtenir un regain de santé à chaque coup de fendoir réussi. Ouais. Ça, c'est intéressant. Excellent. On va essayer d'améliorer, du coup. Ah oui, alors, donc... Pomme de hache. Améliorer, je peux le faire en plus. Je gagne 2 en force, 2 en vitalité et 4 en chance. Oh.
Ouais, allez, hop. Paf. Et laisse plus ce charlatan qui me sert de frère poser ses mains dessus. Ok. Par contre, l'arc sert aussi. Une envie particulière ? Ah ouais, je peux le faire. Améliore les dégâts de flèche et débloque l'achat de compétences. Ah ouais, en plus ça débloque le truc. Bon bah allez, emballé. Un grand coup de flèche. On verra ça. Qu'est-ce que ce sera ? Quand je disais que la scie massive c'était intéressant. Parfait. On va voir si on peut aussi améliorer. Ah, le talisman, je peux l'améliorer. Oh, ça par contre, j'ai pas encore assez. Là, j'ai pas assez de thunes. Octroie un accès de rage, possède également un effet passif qui augmente la quantité de rage obtenue au combat et la durée de rage. Oh, bon, putain. Pas mal. Bon, ça, on verra ça quand on aura plus de thunes. Puis bon, ça, j'ai carrément pas de poussière de royaume, donc on oublie. Et la protection de mon travail. Et gravade ancien, il faudrait. Ok. Ça, c'était juste des thunes. Oh, 23 en défense. Ah, par contre, moins 15 en force, va te faire foutre. Non, c'est bon. Ok, on regarde quand même s'il n'y a pas de trucs à acheter. Les enchantements. Ah oui, non, bah non. Les pierres de résurrection. Non. On s'en cogne aussi. Vendre, je verrai ça plus tard et pas encore découvert. Ok, merci ma poule. Maintenant du balai. Tu m'auras bien servi, c'est parfait. Alors là. Il y a un coffre en dessous, là, comment je fais pour y aller? Il y a un truc quelque part. Elle est pas mal celle-là. Encore que je fasse le tour. Un lieu. Des pièges. Des pièges. Ah. Il y a un tunnel, mais trop petit pour toi. Ah, ouais. Prends-le. Grave. D'accord. Je pense que je peux taper là-dedans. Ouais. Mais non, ce qui me fait chier, c'est que moi, je voulais choper le coffre, moi. Donc, je passe par en haut, je sais pas. Bon, bah, de toute façon, on va avancer, tant pis. Je peux pas le figer. Aïe. Est-ce que ça va? Bien sûr. Je suis juste fait un tout petit peu piqué, je me suis emballé. Pas revenir d'un coup, j'attends. Bon, écoute, on court. Voilà, hop. J'ai entendu un bruit. Je peux pas ouvrir ça. Oh, je m'en doutais. Non, qu'est-ce que je suis? On va voir si celui-là aussi il a quelque chose à cacher. Ouais. Si ils explosent, faut pas s'approcher. Hein. Je crois que je m'améliore. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole là-bas? Ah oui, merde, je m'en souviens. L'autre petit con là. Attends, je vais le laisser venir à moi parce que je me souviens. Je
point je l'ai niqué. Putain, tout ce qu'il avait sur lui. Incroyable. Incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Ouais, ouais. Oui. Oh merde, pourquoi j'ai pris la rage? Je suis un peu con. Bon, c'est pas grave. Rien dans le coin. J'entends encore, non? Parce que si c'est une autre bébête comme ça, moi je la veux bien. Putain, tout ce qu'elle avait. Tu peux le déplacer? Ça a l'air lourd. Aucun problème. Ça bouge. Pom, pom, pom. Le chariot est toujours attaché à la... Je vois bien. Alors, si je lâche. Voilà. C'est parti. Here we go. J'ai pas été trop loin, non, ce coup là. Ouais, je pense que c'est moi. Attends, que je vérifie quand même si j'ai rien oublié dans les parages. Ça y ressemble pas. On peut peut-être passer par la grande porte là-haut. Quand il y avait une chaîne là-bas. Bon, je pense qu'il faut passer sur le pont. On va abaisser, mais d'abord... Un truc à péter. Regarde, une autre lanterne. Cassée. Laisse-la. À quoi peuvent-elles servir? Elles ont quelque chose de spécial. Je le sens. Eh mais on a fait le tour. Faites pas ça, si. Attends, on va faire tomber quand même la chaîne. Même si je vais pas redescendre, non. Est-ce que y a un truc à actionner ici? On va passer de l'autre côté du pont alors. Je peux pas la baisser. Ah ah ah. Du coup, ça a fait quoi? J'ai fait tomber quelque chose. Ça l'a abaissé. Bah, je suppose qu'il y a la même chose en face, je suis con. Voilà. Alors, ici, il y a un truc là-haut. Putain, j'y vais comment? Je pense c'est peut-être une capacité que je vais débloquer plus tard, je vois plus que ça. Attends, je suis pas allé par là. Ah si, j'avais pété le mur, je suis con. Ok. Donc là, c'est pour revenir en arrière, donc non, on est d'accord. Alors, y aller. Alors, je vois encore un truc à péter tout au fond. Là. C'est encore un bouton. Pas confiance. Chaque fois je prends un risque quand je fais ça, je te jure. Et c'est vrai que quand on les vise, ça s'allume en rouge. Je sais pas si ça le fait à chaque fois. Tiens. Oh! Ah bon, je suis descendu, dis donc. Marché. Comme ça, il le distille au compte-goutte. Hein. Et du coup, je suis de nouveau revenu en arrière. Non? Ah non. Ça n'a pas l'air parce que c'est.
Cool. Bon, du coup, je suis de nouveau un peu perdu, là. Je l'avoue bien humblement. Non, ça, c'est d'où je suis arrivé, voilà. C'est dans des pics, parfait. Très bien. Alors ça, je peux le faire bouger aussi. Ils pourront l'emmener où? Jusque là? J'ai un putain de doute. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Ah, attends, déjà, il y a un truc à faire tomber. Je suis pas assez près. Alors attends, je peux le déplacer là-dessus, ouais. Ok. Si je vais là. Je suis pas sûr que je puisse passer là. Par contre, il y a un autre truc à péter là. Quelque chose à récupérer. Et pour grimper, bon bah on va le déplacer jusque là, mais je vois pas trop. Bon. Ah bah non, mais. Je suis commencé d'où je suis arrivé ça. Il faut encore dégager la corde. Tu crois que tu peux utiliser le chariot pour nous faire monter? Ouais, mais c'est juste de quel côté je l'envoie pour grimper, ma poupoule. Bon, écoute, on va aller par là. Tu me dis si c'est bon, hein. Non, 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 c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est grimper. Voilà. Je crois que c'est là-haut. Et un coffre. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Invocation unique invoque une volée de faucons spectraux. Waouh! Ah mais c'est vrai que j'ai la colère du loup, j'y pense jamais. Les dégâts par contre c'est moins violent. Ouais. Là, fais voir comment ça fait. Alors j'avoue que c'est très classe. Il me semble que la colère du loup en plus j'ai... Ah ouais, par contre c'est plus lent en récupération mais bon. Non, on va rester avec la colère du loup. Qu'il faut absolument que je pense à utiliser. Il y a tellement de trucs aussi. On s'y pompe. Alors, c'est... On y va ou pas, fiston? C'est pour détacher la corde. Oh, ça a l'air lourd. L'énergie, on s'en tamponne. Ça a l'air lourd, ça a l'air lourd. Impossible. Bah si, c'est possible. Putain. Ça réussit. On peut utiliser la poulie. Elle nous aidera peut-être à arriver en haut. Et eh ben voilà. Alors du coup, faut que je revienne carrément en arrière, faut que je descende. Hopa. Oh, c'est du gros, c'est du lourd. Oh
va pas utiliser tout de suite notre âge. Bien dans la tête là. Pas content, hein. Oh, qu'est-ce que je dois rien, toi? Attention, merde! Moi, je l'ai pris plein de gueule, celui-là. Merde, j'ai rappelé trop tôt. Ah putain, putain, putain. Ok. Merde, merde, merde. Casse-toi, casse-toi. Il y a un peu trop de monde dans le coin. Ah putain, je suis mal. Sans rien. Attends, faut que je me déplace dans un coin qui soit plus safe que ça. Putain, je suis dans la merde. Attends, 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 parce que là, dans mes... On se calme un peu. Excusez-moi, là, je suis paumé. Ressources, je suis pas du tout dans le bon endroit. Arme. Ça, c'est forte chance d'obtenir un gain de santé, donc ça, c'était cool. Non, c'est pas ça que je voulais voir. C'est dans l'amulette, alors? Merde. Mon pouvoir, là. Ah oui, c'était ralentir le temps. Ah ouais, bah oui. Et sinon... Ah voilà. Un regain de santé, on va se le foutre. Putain! Merde, oh là là, les deux coups, j'ai rien eu le temps de faire. Putain, bouclier, bordel. Bon, on est reparti. Dommage, je l'avais bien descendu. Ah, c'est les petits cons qui m'ont fait chier. Je suis dégoûté. Bon. Pas mon grand. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Même pas peur. Bon, un peu quand même. Il arrive d'où? Il arrive de là. PD, ils vont pas tarder à arriver. Ah
j'en ai eu un. Ouais, c'est bien, bien joué Fisson. Putain, ils font chier, ils m'ont cramé. Ok, allez, on s'énerve un peu. Je sais pas si j'aurais dû. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Ah, ça y est. Allez, tu vas bouffer. Oh, oh la vache. C'était énorme. On retourne à la poule. Je me suis même pas fait toucher, s'il vous plaît. Oula, qu'est-ce que j'ai chopé? Flamme de glace. Ah oui, bien. Je vais pouvoir améliorer ma lame. Mortel. Attaque destructrice qui lance une rangée d'éclats de glace infligeant des dégâts de givre et projetant les ennemis touchés. Voyons voir. Oh, c'est classe. Par contre, c'est 59 secondes. Waouh. Ok. Non, c'est peut-être très bien, mais bon. Deux trucs d'acier massif. Oh là là, oui, 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 ça sent bon ça pour l'amélioration. Un petit peu de thune. On regarde si on n'a rien oublié tout autour. Non. Par contre, attends, il y a une potion pour améliorer la rage, enfin pour remonter la jauge. On va pas gêner. Hein. Non, non, non. Alors, pour faire bouger le bidule, c'est là-haut. Bien, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant avec la pince? Si je lâche, elle va se barrer. Ça recommence. Ouais. Donc, il faut que je gèle le truc. Voilà. Donc on s'accroche dessus, puis on grimpe, c'est ça? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je dois foutre? Faudrait que je mette quelque chose dessous, non? Ah oui, il y a les rails. C'est exactement ça. D'accord. Ça marche. Ah. C'est parfait. Donc là, je rappelle ma hache et attention, on s'envole. C'est parti. Nickel. Tu penses que ça va nous emmener jusqu'au sommet? On le saura bientôt. On va s'en rapprocher, tout du moins. Ça, c'est sûr. Bizarre. J'ai une drôle d'impression. Attends, on se dirige vers un danger. Ne t'occupe pas des possibles. Concentre-toi sur l'instant et sois vigilant. Oui, père. Pas le sommet, mais on se rapproche. Qu'est-ce que je disais? Attends, celle-ci est intacte. Il y a un message. Une prière de géants. Ils demandent à leurs ancêtres de veiller sur eux, de leur montrer le chemin du retour. Atreus. Attends! Je crois savoir comment ça marche.
regarde. Qu'as-tu écrit? Je leur ai demandé de veiller sur maman. Tu crois qu'ils veilleront sur nous quand on grimpera au sommet? Viens, mon garçon. La route est encore longue. Ben, j'espère bien qu'elle est encore longue et j'espère bien que ça va continuer à être aussi bon. Mais on se fera ça sur une autre partie. Allez, tchuss, mes loulous. Recule. Oh putain. Bon, ben voilà, vous voyez un peu ce qui nous attend.